Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Esprit Did et cette fois-ci, je veux vous présenter Second Confrontation dans le menu principal. Avant de rentrer dans une partie, il est toujours utile de faire son armurerie. Regardez. Donc, tout d'abord, on va dans armurerie. Dans armurerie, on a trois choses. Spécialisation, commando et mercenaire. Dans spécialisation, on a... C'est la spécialisation de l'arme et on prend celui qu'on veut. Donc moi j'ai pris pistolet ici pour avoir un accessoire en or et le pistolet en or, le Calypso à cordes, je vais vous le montrer tout de suite après. Donc voilà, mitraillette, fusil à saut, fusil, mitrailleuse, fusil de précision, etc. Donc voilà, et pour avoir la spécialisation, il faut acheter le pack d'extension Gold Front. Donc voilà, c'est déjà la première chose. Maintenant, dans Commando. Donc voilà, Commando. Donc on a arme, Commando, et ça c'est pour sauvegarder le Commando que vous avez fait précédemment ou quoi. Donc on va d'abord aller dans les armes. Dans les armes, on a principale, arme secondaire et équipement supplémentaire. Dans arme principale, on a les fusils d'assaut, mitraillette, fusil, donc carabine, mitrailleuse et fusil de précision. Moi j'ai été dans... Donc je vais vous le montrer vite fait, voilà. Moi j'ai pris... fusil d'assaut. Donc voilà. Donc moi j'ai pris le FAMAS G2, mais le FAMAS G2 c'est une arme de clan. L'arme de clan, chaque clan a son arme, et moi j'ai le clan français, donc elle a son arme. Et son arme c'est le FAMAS G2. Chaque arme a droit à deux accessoires. Moi j'ai pris accessoire, poignée avant et visée laser. Donc ici on a droit à bit de pied, mais ça déploie les armes, silencieux et lunettes. C'est pour toutes les armes pareil quasiment. L'arme secondaire c'est une arme de poing 226 Mark V3 ou SOCOM, dont le nom SOCOM Confrontation, ou le calibre 50, le 250. Et ils ont droit aussi à deux accessoires. Équipement supplémentaire, c'est tout ce qui est grenade, explosif, fumigène. Maintenant, on va aller dans Commando. Donc voilà, dans Commando, on a le visage. Donc on prend le visage qu'on veut. Même un noir, si vous voulez. Pas plus expérimenté. Vieux ou quoi, mais moi je prends le jeune. Voilà. Donc je vais retirer ça, attendez. Voilà. Donc ici on a droit à des barbes. Ici à des cicatrices. Moi je mets celle à l'œil parce qu'elle est stylée. Et ici des camouflages. Moi je prends celui-là. Ici les voix. Il y a les voix force spéciales 1, 2 et 3. Par exemple, si j'aurais, donc c'est en français, donc par exemple, si j'aurais pris le clan américain, donc les US Navy SEALs, ça aurait fait Man Deployed, donc de l'anglais. Donc voilà. Équipement de la tête, c'est tout ce qui est lunettes, micro, etc. Donc voilà, regardez vite fait. Voilà, lunettes, micro, une cagoule. C'est vraiment tout ce qu'on veut, hein. Ça c'est vraiment bien dans ce jeu. Moi je mettais ça, ça et ça. Corps. Donc dans le corps, il y a les commandos légers, moyens et lourds. Et il y a moi RPIM A léger, RPIM A moyen, RPIM A lourd. Le RPIM A c'est
le truc du clan. Donc, par exemple, si j'aurais pris le clan des Américains, les US Navy SEALs, ça aurait fait Navy SEALs léger, Navy SEALs moyen, Navy SEALs lourd. Pareil pour les jambes. Donc, voilà. Il y a les couleurs. Donc, les couleurs, c'est vraiment tout ce qu'on veut. Donc, par exemple, dans une zone urbaine, ou même dans le désert, si j'en ai envie, je peux mettre de la neige. Ici, allez, pépites de chocolat, vraiment tout ce qu'on veut. Mais je vais rester dans le critère de l'armée et je vais m'habiller de façon civilisée et non de touriste. Donc voilà. Maintenant, on va passer au mercenaire. Donc voilà le mercenaire. Donc dans les mercenaires, il y a Arctic, mais il faut avoir le pack d'extension Gold de Front. Ici, c'est des Russes et dans le désert. Donc là, il faut simplement avoir le soc en confrontation, qui n'est plus très cher maintenant, vu que c'est pas spécialement un vieux jeu, mais voilà. Donc ici, c'est tout ce qui est taliban, arabe, etc. Donc équipement, c'est pareil, sauf qu'ici, les trucs du clan ne sont pas incomptés, vu que ça reste des terroristes. On a juste ça, les couleurs aussi, comme on veut, les armes, donc les trucs de terroristes AK-47. AK-74, je vais survoler vite fait. STG-77. Voilà, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Donc, pour le prochain épisode, ce sera la partie 2 de Socom Confrontation Extension Gold Front pour une petite gameplay.